Lorsque nous abordâmes dans l'archipel sans nom, ainsi nommé puisque nul navigateur n'avait réussi à le découvrir, nous nous trouvâmes, à notre vive surprise, en présence d'une civilisation fort avancée. Des villes toutes neuves. Grâce à de fréquents bombardements. Des citoyens libres. Grâce à une police omniprésente. Des mœurs pacifiques. Défendues par une milice armée jusqu'aux dents. Un gouvernement solidement rétabli sur l'instabilité des opinions. Bref, toutes les conquêtes du progrès. Cependant, mis à part cette ressemblance essentielle avec la vie de nos sociétés, tout dans les mœurs de ce pays nous déconcertait grandement. Il semblait qu'un malin génie se fût amusé à faire de nos propres coutumes une absurde salade, en amenant les citoyens à prendre une attitude pour une autre, un geste pour un autre. Nous fûmes d'abord vivement surpris de ces usages, puis peu à peu, aidés par la bonne grâce de nos hôtes, nous nous y habituâmes, au point que pour ma part, j'eus pris du service dans la marine du pays, où je parvins au grade d'amiral et demeurai plus de 20 ans. De retour dans ma patrie d'origine, je ne comprends plus très bien pourquoi les gens de chez nous se serrent la main lorsqu'ils se rencontrent, enlèvent leur chapeau lorsqu'ils franchissent une porte, s'assemblent pour manger, prennent plaisir à faire de la fumée, et font autre chose que qui m'a complètement déstabilisé. Ce n'est pas grave, on va quand même y arriver. Bon, comme tout ça est très 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 loin, la mémoire a du mal à revenir. N'est-ce pas ? Nous avons pour vous. Ah, merci beaucoup. Nous avons pour vous reconstitué une réception dans un des salons les plus distingués de l'archipel Sandre. Quelques jours auparavant, nous avions reçu un carton ainsi intitulé. Madame de Saint-Issiba vous prie d'assister à la soirée qu'elle donnera dans ses salons le 15 mai à 18h. On toussera. C'est arrivé. Tout est-il prêt? Oui, madame. Oh, je crois, madame, que voici les invités de madame. Amiral Sépulcre. Madame, je suis charmé. Vous êtes le premier, amiral. Couvrez-vous, je vous prie. Oh, madame, puisque j'ai l'honneur d'être seul avec vous, permettez-moi de retirer mes chaussettes. Et de vous en faire l'hommage. Rien ne pouvait me faire plus de plaisir, amiral. Oh, le précieux souvenir figurera en bonne place dans ma collection. Monsieur Grabuge, comme c'est aimable à vous d'être venu. Ouvrez-vous, je vous en prie. Monsieur Grabuge, notre poète national, l'amiral Sépulcre. Oh, enchanté, monsieur. Très honoré, amiral. Oh, j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur, au cours de ma dernière campagne. On sait que vous n'avez aucun talent, et c'est à votre épouse que vous le devez. Oh, c'est le privilège d'une jolie femme de régner ainsi sur le cœur de son époux au point de le priver de toute valeur personnelle.
Vous êtes trop aimable, amiral. L'amiral est surtout trop modeste. Il fait oublier que lui-même, s'il a réussi à perdre la formidable bataille du golfe San Pedro, c'était grâce au charme incomparable de son épouse. Oui, il est vrai, ce fut un heureux temps. Baronne, l'emploi. Baronne, ma bonne amie. Mon cher voisin, cher ami, mes chers amis, veuillez vous couvrir. Allons, 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 en place pour les saluts. Mes chers amis, je vous avais promis que nous tous serions, c'est pourquoi j'ai demandé à Monsieur Gravuche de nous lire un de ses plus mauvais poèmes. Mon cher Gravuche, exécutez-nous. Ou plutôt, exécutez-nous. Voici une ode intitulée « Ode de mer » d'inspiration maritime, comme son nom l'indique. Je l'ai écrite un jour, j'étais particulièrement mal disposé. Je l'ai donc dédiée à ma femme. Notre amie la baronne est impatiente de tousser. Bravo, ma chère. Mais prenez patience, dans quelques instants, Monsieur Grabuge va nous en donner l'occasion. Ode de mer. Tous mes aïeux ont couru sur la mer. Aussi loin que je remonte dans ma famille, je retrouve la mer, toujours la même mer, la mer salée, la mer partout, la mer à tous. C'est pourquoi la mer est ma mère, la mer est ma grand-mère, et la mer est ma grande sœur, et la sœur de mon oncle, et le frère de ma mère, et la mère de mon frère. Tous mes aïeux ont couru sur la mer. J'ai rarement entendu un aussi vilain poème. C'est absolument mauvais. Dieu que cela est mauvais. Mais comme c'est mal écrit, mal composé, ne trouvez-vous pas? C'est absurde. Cela n'a aucun sens. C'est stupide. Quelle horreur! Quelle merveilleuse déception! Crachez, je vous prie, crachez. 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 Cher ami, votre salon est l'un de ceux où l'on tousse et crache le mieux du monde. Mais dites-moi, avez-vous assisté au concert de la Société Harmonique? Certes, ce fut une soirée inoubliable. Quel succès! Le public était tellement enthousiasmé qu'il a été impossible d'entendre quoi que ce soit. On n'avait jamais vu chose pareille depuis ce fameux récital de piano où le pianiste a dû cesser complètement de jouer. Oh, lorsque éperdu de reconnaissance et d'émotion, ce virtuose incomparable s'est enfui dans la coulisse. L'enthousiasme a pris les proportions du délire. Le public a escaladé la scène en un clin d'œil et a littéralement pulvérisé le piano. C'était ainsi lui qui emporterait en souvenir une touche d'ivoire, une corde, une pédale. J'ai un ami qui a eu la fierté de rapporter 3 touches blanches et 2 noires. Oh, c'est la preuve d'une grande passion pour la musique. Césarine, je vous prie, faites passer le plateau. Une baudruche, baronne ? Merci, volontiers.
Une bonne ruche, monsieur. Une bonne ruche, Amiral. Non, merci, j'ai arrêté. Cher ami, vos ruches sont délicieuses. Il y a longtemps que je n'avais pas soufflé avec autant de plaisir. Comme vous nous gâtez, cher ami. Je l'ai fait venir de la montagne. Un petit artisan qui ne travaille que pour nous. Regardez comme c'est si belle. On dirait une baudruche de mariage ou de terre. Vous êtes trop bon, cher ami. Hélas, depuis la mort de mon mari, j'ai complètement renoncé à souffler. Comme je vous pleure. Cela doit vous manquer terriblement. Pour moi, je ne saurais m'en passer. Je souffle même en voyage. Permettez-moi, au moins, de vous plumer. Volontiers, cher poète. Passiez le gong. Le gong. Madame, messieurs, êtes-vous prêts? Bon, alors, nous commençons. Cette réception était si réussie. Comme
tout. À la bas, à la bas, à la bas, à la bas. Assez entendu. Mais avant que je m'en aille, vous accepterez bien, n'est-ce pas, de donner quelque chose. Mais bien sûr, cher ami. Mais comment donc? Mais je vous en prie. Césarine. Pour la pauvre mère de madame. Pour la pauvre mère de madame. Pour la pauvre mère de madame. Oh, le plus beau frisé. Vous allez prendre les souvenirs. Bon, je ne veux pas vous laisser partir, cher ami, sans vous dire combien j'ai été charmé de votre accueil. Je pense d'ailleurs être l'interprète de tous vos invités qui se feront un plaisir de dormir ce soir chez vous pendant que vous serez dehors. Nous souhaitons tous qu'une pluie rafraîchissante vous permette de passer une agréable nuit sur le seuil de votre maison. On ne peut être plus galant. Oh, oh merci. Et à bientôt. Oh. Au revoir. Oh. Oreiller. Couverture. Oreiller. Couverture. Oreiller, couverture. Ils font trop de place.